Bonjour, lumière de la voiture, bonjour, ça faisait très très longtemps. Là il est 7 h moins le quart, clairement. Je ne suis pas à la salle de sport, non non, je ne suis pas à la salle de sport, ni devant la salle de sport ou quoi que ce soit. Je me suis pas réveillée, enfin si, je me suis réveillée mais je me suis rendormie. Là je suis encore également morte, donc je me suis préparée mais je suis fatiguée. Je me suis encore couchée, il était pas loin de minuit, donc clairement je peux pas aller à la salle de sport si je suis morte. De toute façon c'est contre-productif, hein. Si vous faites du sport, il faut absolument que vous ayez une hygiène de vie correcte, donc le sommeil en fait partie. Et là clairement je manque de sommeil, ça c'est évident. Il faut absolument que j'apprenne à me coucher plus tôt, mais c'est vrai qu'hier le montage vidéo, le temps de le rendu, etc. Bah, le temps de charger la vidéo, le vlog avec le préparer le concours aussi pour vous, bah hier, ben voilà, j'ai fini, t'es pratiquement, il était minuit moins le quart. Donc après le temps que j'aille me coucher, tout ça, bah voilà, il était passé minuit. Donc se lever à 5 h du matin, voire bah, 5 h 30 maxi pour aller à la salle de sport, non, j'étais morte. Donc je me suis rendormie, je me suis réveillée, il était 6 h 15 passées. Je me suis dit, c'est pas la peine que je cours pour me préparer à la salle de sport pour en faire que 20 minutes, que 30 minutes. Je ferai une séance, je pense, de Sissi Mua ce soir à la maison, clairement, voilà. Si vous voulez, à la limite, je vous filmerai même une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que je choisis. Ces vidéos sont top, je sais pas si vous connaissez, en tout cas, je vous en parlerai du coup ce soir, ce sera l'occasion de vous en parler. Pour ceux qui n'ont pas les moyens d'aller à la salle de sport, moi je sais que j'ai fait pendant 2 bonnes années du sport à la maison. Et bah, ce sera l'occasion de vous en parler parce que j'ai fait le programme de Sonia Clève, donc le TBC. Je pense que voilà, vous le connaissez, il est assez connu de réputation. Donc voilà, j'ai fait celui-là, j'ai eu des très très bons résultats, surtout avec le 1. Et du coup, aussi après là, j'ai fait des vidéos de temps en temps, j'aime bien, et j'ai fait quelques vidéos de Sissi Mua, voilà. Mais par contre, Sissi Mua, c'est vraiment un niveau bien plus élevé. Donc voilà, il faut quand même déjà avoir un cardio assez élevé pour pouvoir faire ces vidéos. Parce que au bout de 5 minutes, moi je sais qu'il y a quelques années, au bout de 5 minutes, j'arrivais même plus à faire les vidéos. Voilà, je tenais 10 minutes sur ces 30 minutes de vidéo. Donc voilà, bref, donc je vais faire comme ça. Je vais aller au travail. Je vais en profiter, je vais aller un petit peu plus tôt. Comme ça, j'arriverai. Je pense j'ai encore pas mal de choses à faire en plus. Et j'espère pouvoir quitter assez tôt. J'ai 2-3 petites courses à faire. J'aimerais bien les faire à la limite ce soir. Le petit a quand même judo. Je sais que lui aussi, ça va être dur pour lui. Parce qu'hier soir, en plus, du coup, il a pas beaucoup joué. On a fait une vidéo ensemble pour présenter ses jouets. Ça nous a pris une bonne demi-heure à faire la vidéo. C'est vrai qu'avec lui, bah voilà, c'était pas facile non plus. Et hier soir, bah du coup, il était tout triste parce qu'il fallait déjà qu'il aille se coucher alors que bah il avait pas beaucoup joué. Donc c'est la semaine, des fois, c'est pas facile. Mais bon, voilà, je lui ai expliqué que c'était bientôt les vacances. Il restait 2 semaines. Qu'il fallait qu'il prenne qu'il ait du courage, parce que je pense que lui aussi il est fatigué, excité, enfin bref, il a encore bon, l'euphorie de déjà de l'anniversaire est passée, donc je pense que déjà il est moins énervé en classe. Mais voilà quoi. Donc bon, bah là j'y vais, et puis bah, je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve pour vous, bah, pour tout de suite, hein, mais pour moi tout à l'heure. Voilà le soir, monsieur Evan, ça y est, il est en train de manger, il est 19 h, il doit être 19 h 30, oui, c'est ça, exactement, 19 h 30, le temps de rentrer du judo, de prendre la douche, le plat à réchauffer. Moi j'ai pas encore mangé, mais je mangerai après, sachant que j'ai encore plein de petites choses à faire. Donc bah, j'ai envie de vous dire qu'on va attaquer les calendriers, voilà, le petit rituel du soir. Bah, Evan, c'est pareil, il les ouvrira juste après avoir fini de manger, hein? Oui. D'accord? Comme ça, on va faire comme ça. Donc, bah, c'est parti. Donc, l'Happy Morning, voilà, de Nature et Découverte. Nous avons du thé vert bio framboise litchi. On l'avait pas déjà vu celui-là, framboise litchi? Ça me dit quelque chose.
C'est celui-là que j'avais goûté la dernière fois. Oh, je perds la mémoire parce qu'en fait j'en ai bu deux qui étaient trop bons. J'ai bu les deux que j'avais. Je sais plus du tout si c'était framboise litchi. Mais en tout cas, si c'est ça, c'est le même en fait. Mais trop bon. Trop 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 bon. Donc il est super bon. Donc je pense que je vais même m'en faire un ce soir-là, juste après. Ensuite au PI, nous avons un magnifique doré. Oh, on change, ça y est, de la couleur un petit peu sous les tons rose, rosé. Nous avons un magnifique doré. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais magnifique cette couleur. Franchement, j'adore. Franchement, je trouve vraiment trop trop beau. Le nom est Dazzling Drew Drop. Voilà, Drew Drop. Donc il est magnifique. Magnifique, donc hâte de tester celui-ci. Make-up Révolution, nous avons un rouge à lèvres qui a l'air assez foncé, donc un petit rose bordeaux. Voilà. Oh oui, il a l'air magnifique, magnifique. Donc une magnifique couleur, j'ai hâte de tester celui-ci. Voilà. Après, au niveau des noms, je ne saurais pas vous dire en fait. Il faudrait que je regarde en fait sur le site parce qu'il n'y a pas beaucoup d'indications. Ah si, peut-être là. C'est Amazing Lipstick Crush, donc je suppose que c'est le nom, c'est Crush. Il faut que je regarde en fait sur les autres. Je viens juste de m'en rendre compte, c'est bien, je m'en rends compte au bout de 11 jours. Voilà quoi. Mais c'est vrai que du coup, je découvre un petit peu leur packaging, tout ça, donc c'est nouveau. Amazon Beauty. Oui, jolie cette boîte, regardez. Avec le petit oiseau là. Elle est belle. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop mignon! Un petit Real Techniques, donc un pinceau, j'en perds ma voix, le finish, mini pinceau sculptant moyen, trop trop bien, il est vraiment tout mignon. Donc ça, en portée, c'est top, en plus c'est quand même les Real Techniques, même si c'est un format mini, quoi qu'il arrive, c'est hyper hyper cher, très bonne qualité, moi je sais que j'en ai déjà acheté quelques-uns pour les yeux, etc. C'est des très très bonnes qualités, très bon pinceau, c'est une marque que je recommande, même si elle est un peu chère, je la recommande, franchement, oh, trop trop bien, ça c'est top, génial. Look fantastique, et là c'est un gros flacon, c'est un gros tube assez lourd. Qui sent méga méga bon et forcément Rituals. Donc c'est The Rituals of Sakura, voilà Magic Touch Body Cream, donc une crème pour le corps de la marque Sakura. Et, oh, ça sent tellement tellement bon. Moi je le sens d'ici. Ça sent tellement bon. Ça sent bon, hein, ça sent le savon, mais ça sent. On sort de la douche comme ça sent divinement bon. Divinement bon. Fil unique. Alors c'est rigolo parce que dans le calendrier, il y a plein de petites, une petite série comme ça de petites boîtes toutes carrées. Je sais pas trop ce qu'il peut y avoir dedans. Après, c'est pas la taille qui compte. Hein. Et nous avons Sol de Janeiro. Voilà, donc Soleil de Janeiro. Et nous avons Brasilia Bum Bum Cream. Donc une crème pour le corps à l'extrait de Garant. Très bien, sympa. J'adore le packaging. Regardez-moi ça. Trop mignon. Et là, ça aussi, ça sent bon. Alors ça, du coup, je saurais trop vous dire parce qu'il est fermé. Je voudrais pas l'ouvrir tout de suite. Parce que je ne sais pas si je vais l'utiliser tout de suite. Mais en tout cas, je sens l'odeur. Tu sens l'odeur, toi? Ouais. Et trop mignon. Je sens que c'est la même odeur que l'autre. Ouais, c'est parce que je pense que tu sens encore l'autre, c'est pour ça. C'est vrai qu'ils sont très très forts l'autre. Donc voilà, génial, j'adore le packaging. Donc j'ai hâte de tester celui-ci. Glossy Box. De la marque Dermatologie, pardon, j'ai du mal le soir. Atopic Calm, donc crème, gel crème pour toute la famille, pardon, peau sèche à atopique. Pardon. Alors ce n'est plus forcément nous le cas. Voilà, le petit avait quand même un petit peu une peau atopique. Quand il était plus petit, voilà, il avait la peau assez fragile. Mais c'est vrai que maintenant que je prends des produits pour l'avant doux, voilà, au pH neutre. Et puis que de temps en temps je le crème, il a beaucoup moins de soucis de peau, mais il a quand même la peau assez sensible. Tout comme moi d'ailleurs. Toi? C'est qui? C'est qui mon fils? Je sais pas. C'est qui, à ton avis, mon petit garçon? Ouais.
C'est toi, tu crois? Oui. T'es sûr que c'est pas un autre plutôt? Non. Bref, du coup celui-ci, je ne connais pas du tout cette marque-là. Mais bon, pourquoi pas, si c'est pour toute la famille, normalement c'est déjà des très bonnes crêpes. Et donc le dernier, My Muesli, donc une barre de céréales. Et là c'est donc la Raw Cacao. Je ne l'ai pas encore goûté, la Raw Cacao. Donc en fait il y a 6 parfums différents. Ce matin j'en ai goûté une. Non, c'était à la vanille, oh, c'était succulent. Enfin comme toutes les barres, j'ai envie de vous dire. Il y en a encore, je crois que c'est la dernière que j'ai pas goûtée, celle-ci. Sinon je les aurais toutes goûtées. Elles sont toutes excellentes, voilà. Comment vous dire, elles sont toutes excellentes. Donc voilà pour les calendriers de l'Avent. J'ai reçu ma box Botanical, donc je pense que je vais vous l'ouvrir et vous montrer le contenu. Voilà, tant qu'à vous faire, je ne vais pas faire une vidéo dédiée à cette box. Sachant que j'ai reçu la Look Fantastic et la Prescription Lab et je vous ai fait une vidéo avec les deux en même temps. Donc il faut simplement que je monte la vidéo. Donc bah là, je vais vous montrer le contenu, sachant que le packaging là est superbe. Donc j'ai envie de vous découvrir, de vous montrer ça. Elle se présente comme ceci, elle est magnifique. Regardez-moi ça, ça brille tout, c'est beau. Elle est assez lourde, j'aime bien la couleur, elle est vraiment très très jolie. Donc on a une jolie petite carte. Voilà, toute brillante, plaisir de fête. Ah, et derrière nous avons une recette de sablé aux amandes, assez sympa ça, c'est sympa. Donc ouais, voilà, une petite recette de l'autre côté. Donc je trouve ça assez sympa comme idée. Nous avons le petit menu avec la liste des produits à l'intérieur. Alors, première chose que je prends, c'est une huile de douche nuit vanille. Donc c'est de la collection de Noël. Alors, excellent. Bon, désolé, il n'y a plus de batterie, hein, donc ça a été coupé. Donc comme je disais, ma box est restée toute la journée dans la boîte aux lettres. Et comme il fait froid là depuis hier, c'est tout gelé. Je ne sais pas si vous verrez. Regardez ici. C'est complètement congelé en fait. L'huile a gelé. Donc ça coule même plus, hein, regardez. Ça coule plus. Donc c'est rigolo. Donc c'est rigolo. Donc, bon, de toute façon ça change rien à la qualité du produit. Donc nuit vanille, donc bah, je l'ai déjà testé parce que j'avais acheté la collection de Noël. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai fait une vidéo. D'ailleurs, j'essaierai de vous la remettre dans ce petit là. Ou à la fin de la vidéo, vous retrouverez donc la vidéo dont je vous parle. Voilà, je vous présente la collection de Noël. Et je l'ai testé et je l'ai plutôt bien aimé. En tout cas, l'odeur est divine. Donc très contente d'avoir ce produit là parce que finalement je l'ai bien aimé. Donc voilà. Ensuite, nous avons un rouge à lèvres, enfin c'est un crayon à lèvres éclat radiance. Alors je l'ai déjà, c'est le rose sorbet. Alors il n'est pas, pour moi c'est un petit rouge à lèvres légèrement teinté, il n'est pas super super pigmenté. Moi c'est le genre de choses que j'aime bien porter l'été, voilà, quand je veux quelque chose d'assez frais, que je porte quasiment pas de maquillage, enfin déjà je porte pas de crème teintée ou quoi que ce soit au niveau du visage, que j'aime bien mettre, voilà, une espèce de petit brillant à lèvres, et ils sont plutôt pas mal. Donc j'ai quasiment toutes les couleurs, donc voilà, j'ai celui-ci aussi, et bon bah je l'ai déjà, donc forcément je le garderai pas, mais voilà, bon, ça c'est plutôt sympa, sachant que je l'ai déjà acheté, que j'ai acheté d'autres teintes, donc comment vous dire que c'est preuve que bah ils sont bien, mais clairement c'est pas quelque chose, si vous voulez beaucoup de, je trouve que c'est pas mal aussi en petite couleur, voilà, en petite touche. Ensuite, nous avons une crème pour les mains de fleurs de lotus sauge. Elles sont très très bien, j'aime beaucoup ces crèmes, elles sont très bonnes. Elles sont pas non plus hyper, quand vous avez les mains très déshydratées, voilà, ou si vous commencez à avoir des crevasses ou quoi que ce soit, elles sont pas assez nourrissantes. Mais je trouve qu'au quotidien, utilisées, elles sont très absorbantes, elles sont pas grasses. Donc ça c'est top aussi, parce que vous pouvez l'emmener au travail. Moi je sais qu'au travail il faut pas non plus, voilà, je m'en mets au cours de journée, mais faut pas que j'ai non plus à me ressuyer les mains ou quoi que ce soit. Donc ça c'est hyper pratique, on peut en mettre. Et elle est pas grasse ni collante, donc elle sont top. Donc encore une fois, c'est des nouveautés, hein, de la marque, donc c'est cool, hein, comme là voilà, c'est une édition de Noël, donc je trouve ça hyper sympa. À part le rouge à lèvres, j'ai envie de vous dire, c'est pas une nouveauté parce que je l'ai déjà depuis, ça fait déjà au moins je crois un an et demi, hein, que c'est sorti ce genre de petit rouge à lèvres, voilà, crayon. Donc mais bon, l'odeur de la crème pour les mains, par contre c'est une nouveauté. Ensuite, encore une édition de Noël, nous avons le 365 volume, donc c'est un mascara de la teinte noire, voilà, donc un mascara
D'accord. Bah, c'est bien parce que c'est une édition limitée voilà, de Noël. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir non plus tout le temps, tout le temps. Donc, c'est plutôt pas mal. Oui, ça, on va dire ça colle avec le thème de Noël, hein, clairement, parce que c'est des éditions de Noël. C'est vrai que j'aime beaucoup leur packaging voilà, qu'ils ont fait. Cette couleur un petit peu bleu, bleu, bleu nuit comme ça et le doré. Et dernière chose, on a une petite boîte comme ceci et à l'intérieur, nous avons un bougeoir. Hop là! Un petit bougeoir, donc il donc on y pose sa bougie, son chauffe-plat, et puis voilà, très très nature en bois, c'est très joli, j'aime beaucoup, voilà, c'est très naturel, ça peut faire son effet effectivement, voilà, poser ou poser quelque part, pas forcément, moi je sais pas si j'utiliserai pour mettre une bougie, mais je ne sais pas encore, mais je trouve ça plutôt sympa. Voilà, je trouve ça naturel, c'est plutôt pas mal. J'ouvre le yaourt de Monsieur Van. Voilà, yaourt à boire. Voilà, monsieur. Merci. De rien. Bonjour. Maman d'amour. Je vais allumer plus souvent la caméra, moi, pour que tu me dises ça. Comment? Je vais allumer plus souvent la caméra pour en profiter quand tu me dis ça. Moi, ça va, tu me le dis même. Donc voilà pour le contenu. Elle n'est pas non plus fou fou fou, mais on va dire qu'elle respecte le thème. Voilà, Noël. On a des produits de l'édition de Noël. Donc voilà, elle est bien. On va dire qu'elle est bien. Je suis un petit peu déçue par ce rouge à lèvres. À la limite, j'aurais préféré un rouge à lèvres classique et pas un crayon à lèvres, même de l'édition, une des dernières éditions, parce que c'est vrai que je ne les ai pas testées. Donc voilà, à part celui-là, mais sinon le reste, bah, je suis plutôt contente. Voilà. Dites-moi donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette box. En tout cas, je vous mets le lien. De toute façon, le lien sera juste en dessous de la vidéo en barre d'information. Vous retrouvez le lien de cette box si elle vous intéresse. Donc ensuite, bah, on va enchaîner avec... Evan a bientôt fini puisqu'il finit avec son yaourt à boire. Donc on va enchaîner avec ses calendriers de l'Avent. Et puis bah, moi, j'ai du linge à ranger là, voilà, clairement, parce que... Hier, on était le 10. Hier, on était le 10. Donc aujourd'hui, on est le... 11. On est le 11. Et je vais manger aussi avant quand même. Voilà. Et puis après, je rangerai les 2-3 petites affaires le temps que monsieur joue. Et puis, puis après, bah voilà, ça sera l'heure du rituel du soir, hein, clairement. Voilà. Donc bah, je vais vous laisser. Et puis oui, promis, il faut absolument que ce soir je me couche de bonne heure. Donc je vais. Voilà, j'arrêterai ce vlog quasiment juste après d'avoir ouvert les calendriers. Comme ça me permettra moi de le monter quasiment, peut-être même en même temps que je vais manger. Parce que le temps de charger la vidéo, après de la recharger sur YouTube, enfin tout ça, ça m'a pris hier. Voilà, je me suis couchée, il était pas loin de minuit. Et me lever à 5h du matin, j'ai pas pu, je me suis rendormie. Et voilà, du coup j'étais vraiment fatiguée quasiment toute la journée. J'ai fait que de bailler. Encore là, en début d'après-midi, je baillais encore. Donc vraiment, je manque de sommeil, je crois. Donc voilà, aussi, il faut que je... J'ai pas dormi de la nuit hier. T'as pas dormi de la nuit? Ben oui. Ah bon? Pas bien. Faut dormir, Evan, hein? Oui, j'arrive pas. Oui, tu t'es couché tard, mais t'as fini par t'endormir. Non? Non. Pas de la nuit du tout? Moi, bon, si. C'est pas... Bon, si tu le dis. Donc voilà, bon, je vais vous laisser 2 minutes et puis le temps que je range mon petit cirque et puis après on se retrouve pour ces calendriers de l'Avent. Alors, nous avons eu ce petit personnage qui fait vraiment très très peur. Hein. Il fait très peur et il est pas gentil, tu dis toi? Oui, vu que je me souviens quand ils avaient dit qu'ils étaient pas gentils. Ah, d'accord. Ils sont pas très gentils. Hmm. Voilà, donc on a eu celui-ci dans le Harry Potter, il est très beau, on a encore une très belle figurine. Mais c'est moi ce qu'il n'a pas pris. Hein. Alors ensuite, Ed Chimols. Du coup, je... Ah oh, bah, c'est un demi, c'est bizarre comme forme de cœur. Attention, oui. N'ouvre pas le 12. Oh, c'est un petit Ed Chimols. Ouais. Ça faisait longtemps. On n'en a pas eu. Oui, doucement. Ouvrir toutes les autres caisses, toi. C'est pressé. Et demain, on va ouvrir le... 12. 12. Et du coup, j'ai bien fait d'un petit peu à l'ouvrir. Donc voilà, il est tout mignon celui-ci. C'est un petit renard. Et par contre, il a la tête qui bouge. Voilà. Hop, hop. Regardez.
Tchoup, tchoup, tchoup. Il est tout mignon. Je veux voir sa tête. Il mange. Il peut regarder à côté. Tchoup, ouais, tchoup. Il tourne la tête. Il est tout mignon celui-là, il est très beau. Hein? Ouais. Voilà, un petit renardeau. Renardeau. Ensuite, Lego. Star Wars. Star Wars. J'ai la chance hein, d'avoir un Lego Star. Ouais. Là. Alors, oh, c'est lui. Waouh, un personnage. C'est le deuxième. Hein. Deuxième personnage. C'est un rebelle. C'est un rebelle. Que la force soit avec toi. Que la force soit avec toi. Pour créer. Donc voilà, c'est celui-ci. Trop beau. Ok, on passe au bic. Ok, et le bic. Ah, ils sont durs. Ceux-là sont un petit peu durs. Ils ont fait des grosses. Alors, qu'est-ce que j'ai mis comme crayon gras? Un crayon gras rouge? Ouais. Ok, ça marche. Bon, mais eh bien voilà, on va vous laisser. Hein? Toi, tu vas construire et puis tu finis de construire aussi ton Lego, là, voilà, ce que tu avais construit là, la petite cabine, comme ceci. Oui, je construis. Voilà. Mais bon, là, il est qu'à l'étape 20. Et je crois que sur ce Lego-là, il y a combien d'étapes? Voilà, il y a 139 étapes. 140, je crois. 140. 139. 139 étapes. Donc, voilà. Et je pense que pour celui-là, il en a encore pour un petit moment. Voilà. Mais au moins, comme ça, ça va durer longtemps. Et j'aime bien les Lego quand ils durent longtemps. Hein. Ouais, je sais que tu aimes bien. Tu as beaucoup de patience pour ça. Ouais. J'aimerais bien que tu en aies autant pour l'école. Pourquoi? Ah. Pour que j'apprenne. Bah oui. Hein? Parce que pour les Lego, tu peux rester concentré pendant plusieurs heures d'affilée. Par contre, à l'école, c'est plus difficile. Hein? Mmh. C'est bizarre, ça, quand même. Fais construire. Ouais, je pense que les Lego, ça t'intéresse beaucoup plus. Hein? Bon, bref. Bon, je vais vous laisser. On va vous laisser là. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à participer au concours voilà, que j'ai publié hier sur ma chaîne. Donc voilà, vous aurez la vidéo aussi juste en dessous, juste en fin de vidéo. Voilà, vous aurez donc de quoi. Vous pourrez cliquer directement dessus. Vous aurez toutes les modalités en barre d'informations ou dans la vidéo, clairement, voilà, avec la présentation du lot. Donc n'hésitez pas à participer si ça vous intéresse. Ah, j'ai fait aussi. Sur mon téléphone, j'ai fait la. J'ai fait le tirage au sort du concours. Donc, en fait, vous avez été 45 à participer. Donc voilà, 45 personnes quand même. Moi, je trouve ça toujours incroyable, autant de personnes finalement qui participent. Et c'est la participante numéro 1. Voilà, la première personne qui a participé à au concours qui a gagné. Donc bien sûr, ça ne vous dit pas si c'est vous ou pas. Mais voilà, je venais juste à vous le dire. Après, bon, son nom, je vais lui envoyer un mail, je vais lui envoyer un mail ce soir ou demain matin, voilà, après je vais m'arranger avec cette personne-là, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc voilà, sachez que si d'ici, que vous voyez cette vidéo, normalement j'enverrai un mail. Donc si vous n'avez pas de nouvelles d'ici demain soir, c'est que c'était pas vous. Voilà, je suis désolée, mais en tout cas, il y a un autre concours, et puis sans spoiler, voilà, il y en aura encore d'autres avant la fin des Vlogmas. Bref, donc je vais vous laisser, et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, bref, et je vous dis donc à demain, ciao. Ciao. We wish you a Merry Christmas, we wish you a